Josiane Balasko a vécu plusieurs histoires au cours de sa vie. Son premier mariage avec Bruno Maillot a duré de 1974 à 1981. Après son divorce avec Monsieur Preskovic dans Le Père Noël est une ordure, l'actrice qui a joué dans les films Les Bronzés, s'est mariée une seconde fois avec le sculpteur Philippe Berry, en 1982. Malgré cette relation solide, et la naissance de leur fille Marie-Lou, en 1983 et l'arrivée de leur fils adoptif Rudy, né en 1988, les époux décident de mettre fin à leur mariage en 1999. Si est en 1999, l'année de son divorce, que Josiane Balasko rencontre son dernier amour. Né en 1952, George Aguilar est un acteur américain connu pour son second rôle dans le film culte, Bagdad Café de Percy Adlon, et diffusé au grand écran en 1987. Dans le café tenu par Brenda, il joue le serveur amérindien du nom de Kawenga. Comment Josiane Balasko et George Aguilar se sont-ils rencontrés? Tous deux exerçant dans le monde du 7e art, ça ne pouvait que matcher. Si est-il d'ailleurs grâce à cette passion commune qu'ils se sont rencontrés, sur le tournage du film, Le Fils du Français sorti au cinéma en 1999. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que malgré les années qui passent, les deux tourtereaux sont toujours aussi complices. Car lorsque George Aguilar a fait la rencontre de Josiane Balasko, il ne parlait pas un mot de français. Pendant l'émission Vivement Dimanche, diffusée le 5 septembre 2021, ce dernier a raconté que sa compagne le corrigeait souvent sur son accent, ce à quoi la comédienne lui a répondu, « Bien oui j'ai raison ». Et si est-il toujours sur le plateau de France 2 que l'ancienne membre du Splendid s'est confié sur leur rencontre, la première chose que m'a dite Gérard Lozier, le réalisateur, 3 mois avant le tournage, est « Josiane, je t'ai trouvé un beau mari ». En effet, dans le scénario Josiane Balasko devait se marier avec un chef de tribu amérindienne. Il se trouvait que le chef indien était George, a-t-elle expliqué, avant de poursuivre, bien voilà des choses qui sont écrites. Loading Widget.